Des voies fermées, des maisons sous les eaux, des magasins écroulés, c'est le tableau que présentent des communes d'Abidjan suite à l'impressionnante pluie qui s'est abattue sur la capitale économique ivoirienne dans la matinée du jeudi 25 juin. Ici, au quartier Les Deux Plateaux de la commune de Cocody, des riverains tentent de se frayer un chemin pour un passage rapide de l'eau qui a coupé la voie, tandis que d'autres poussent des véhicules noyés par la montée des eaux. Pour aider notre quartier, au moins pour aider les usagers à pouvoir circuler normalement et librement sans danger. C'est notre but qui est là. À quelques mètres de là, toujours dans la commune de Cocody, mais cette fois dans le sous-quartier Colombie, habité en majorité par des populations à faible revenu, le chemin est le même. Des riverains sont attroupés à cet endroit. Renseignement pris, un habitant vient de perdre la vie suite à l'éboulement d'une maison. Quand l'eau venait, l'eau n'arrivait pas, il n'y avait pas de route que l'eau passait. L'eau est venue casser l'endroit puis rentrer sur. L'année passée, l'eau a pu envoyer 3 enfants. C'est la deuxième fois qu'on voit ça. Pour le directeur général de l'agence de gestion des routes, AGROUTE, cette situation désagréable répétée pendant les saisons des pluies est engendrée par des ordures ménagères. Malheureusement, les ouvrages qui pour la plupart étaient conçus donc, pour évacuer ces eaux, vous constatez avec nous qu'il y a beaucoup de déchets qui obstruent quelquefois certains ouvrages et qui font que l'eau peut monter au-dessus de la route. Il y a quelques jours, ces pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale économique ivoirienne avaient fait 16 morts à Aniama, dans le nord du district d'Abidjan. Cette année, les prévisions météorologiques annoncent de fortes pluies dans le district d'Abidjan et dans certaines villes de l'intérieur du pays.